là. Oui, t'inquiète pas, on va le faire aussi, t'inquiète. Bonjour à vous tous, auditeurs, auditrices, bienvenue sur Radio Fonfon Musique, avec DJ Soupa Franck et Marcus Green, comment vas-tu? Ça va super, et toi? Tranquillement. Alors, tu peux nous présenter Marcus Green? Qui est Marcus Green? Marcus Green, je suis un chanteur afro-caribéen avec énormément de sonorités hip-hop R&B. D'accord. Attends, 2 minutes, j'arrive vers toi. Attends, 2 minutes, parce que je t'entends pas beaucoup. Ok. Un. Donc voilà. Donc Marcus King, ça a commencé comment la musique pour toi? Moi je te connais, mais pour ceux qui te connaissent un peu moins. Comment ça a commencé la musique? Mets le micro plus haut. Voilà. Comme ça c'est bon? Oui. Voilà. Du début ou bah oui, on va dire début. Professionnellement parlant. Parce que du début, bah, j'étais ce petit gars dans les réunions de famille qu'on faisait monter sur une chaise ou sur une table. D'accord. Voilà, pour rechanter les trucs. Hey, tiens, regardez, c'est mon fils, c'est mon neveu. C'est, voilà comment tout a commencé. Donc la première fois que tu chantes? Ouais. Sur scène, ça se passe comment? Une table, c'est une scène. Une table, c'est une scène. C'est toujours... Ouais. Quand tu chantes, c'est une scène. Même pour deux personnes, c'est une scène. Bah, à cet âge-là, tu t'en fous. Ouais. À cet âge-là, tu t'en fous. Ça sort comme ça sort. Hein. Les bonnes paroles ou pas. Comme d'hab. Il y a zéro trac à cet âge-là. C'est en grandissant que le trac commence à venir. Mais avant, il n'y en a pas du tout. D'accord. Donc, le vrai trac, c'est venir à quel âge? Le vrai track, je ne saurais pas te dire à quel âge. C'est selon le monde qu'il peut y avoir dans la salle. Tu sais, avant de monter, tu regardes, tu te dis « Oh, tout ça là !» Et ça fait une petite boule au ventre quand même. Ouais, le stress, on le gère comment ça, justement avec ça? Alors j'ai une petite technique, je sais pas, c'est moi qui l'ai... Il n'y a que moi qui fais ça. En fait, quand je monte sur scène, j'essaie de parler un petit peu. Pour débloquer la voix, pour éviter que quand le son il commence, je parle un petit peu histoire de dire voilà, le son est sorti, voilà, on peut commencer. Donc Marcus, moi je te connais depuis longtemps. Ouais. Donc tes origines c'est quoi? Alors ma mère est guadeloupéenne. D'accord. Et mon père est franco-polonais. Donc pour mesdames, est-ce que Marcus a un cœur à prendre ou pas? Non. Non. Donc voilà mesdames, messieurs, surtout les dames, Marcus il est pris. C'est mort. Donc, est-ce que tu fais de clavier? Pas clavier. Est-ce que tu prends des cours de chant? Pas de cours de chant? Tu parles au niveau instrument, tout ouais, ça? Est-ce que t'en fais maintenant? Je sais jouer 2-3 trucs, mais c'est pas de là à faire des scènes avec ou quoi. D'accord. Des cours de chant, j'ai pas réellement pris de cours de chant. D'accord. Je me suis plutôt entraîné sur moi-même. Bosser un petit peu sur ce qui allait, sur ce qui allait pas, pousser un petit peu, m'enregistrer, me réécouter. C'est vraiment ça qui a été mes cours de chant. D'accord, maintenant que tu t'écoutes sur ouais. toutes tes chansons, laquelle que tu referais? Je referais ouais. toutes celles avant la dernière. Et pourquoi? Parce que je pense, normalement, hein, parce que je travaille toujours, pour essayer de maîtriser de mieux en mieux ma voix. Je pense que sur la dernière, je maîtrise mieux que sur les anciennes. Parce qu'il y a du boulot en moins. Donc en vrai, quand je rechante les anciennes chansons, je ne les rechante pas de la même manière maintenant qu'avant. Que sur le rec, tu vois. Et la chanson qui a été le plus dur à travailler, c'est laquelle? Le plus dur à travailler... Moi, je sais c'est quoi. Hein. Moi, je sais c'est laquelle. La plus dure à travailler? Je te dis, c'est laquelle? Dis-moi. Comment il s'appelle? C'était même par téléphone, tu m'avais dit. Tu te rappelles? Ah oui, c'était le featuring avec Jonah. Voilà. Ouais. Non. C'est pas que c'était dur, mais à distance, c'est un peu compliqué. Voilà, mais après, il est très fluide. Et puis, il fait le boulot. Tiens, faut faire ça. Donc, il est très réactif. Du coup, voilà, ça n'a pas été dur. Mais c'était une expérience, c'était différent, j'avais pas l'habitude de travailler comme ça. Donc l'expérience, cette expérience-là. Ça s'est super bien passé. Donc, à refaire ou pas? Franchement, oui.
Ouais. Bon, maintenant, il est en France, donc ça serait plus simple. Oui. Mais ouais, à refaire. Hein, donc, t'es beaucoup au feeling, Marcus, ou pas? Carrément. Ouais. Donc, si le feeling ne passe pas, il passe pas. Non. Non. Non, non. D'accord. Donc, vous le savez maintenant. Donc, t'écris pour des gens aussi? Oui. Oui, bon. Oui. Bon. J'écris pour des gens qui. Pas dans l'univers du zouk. D'accord. Voilà, j'écris pour. On va dire pour des chanteuses qui vont bientôt sortir. On m'a demandé de faire quelques sons. Dis-nous en plus, on est entre nous là. Je te comprends pas. Bah, c'est encore, on est encore dans le bricolage là. Non, c'est pas ça que je veux entendre. Les noms. Ouh, les noms. Tu me caches des trucs là. Non, 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 mais comme c'est en cours, que c'est pas encore. Ah, d'accord, donc tu reviendras, c'est ça? Que c'est. Comment? Tu reviendras à la radio avec eux, c'est ça? Je sais pas. Là, on a commencé sur une Karine là. Elle voyage beaucoup, donc elle n'est pas en France souvent. Donc c'est un peu compliqué avec mon pote Karuna. Je passe le big up à lui. Et ouais, quand elle va revenir, on va terminer. Et puis là, on pourra donner... Donc, entre Marcus que je connais avant et le Marcus de maintenant, qu'est-ce qui a changé pour toi? On prend un peu d'âge. Ouais, déjà. Mais à part ça On essaie de se responsabiliser un petit peu. Entre-temps... Bah, en plus de la musique, j'ai créé ma société. D'accord. J'ai créé ma société. Donc, je fais les deux en parallèle. Pas trop dur? Ouais, c'est différent. C'est ouais. Autre chose. D'accord. C'est autre chose. Mais bon, de plus avoir à travailler pour un patron, ça change quand même la vie. Ouais. C'est mieux. Ouais, carrément. C'est toi le patron, donc c'est mieux. Carrément. Donc Marcus, est-ce que dans le milieu du zouk, c'est qui tes fans? Qui t'a fait bercer? Laila Sheko. Ouais. Francis Mev. Sly. La même équipe quoi. Ouais, je pense qu'ils ont bien... Et en nouveauté? Bah j'écoute un peu moins. Pourquoi? Je suis vraiment bloqué sur les... Zouk Gold. Ouais, 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 ouais. C'est ça? Ouais. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense que là, ils étaient au top. Là. D'accord. Et en masculin? Non, t'en as pas? Bah si, Francis Mev et... Nouveauté non plus? En nouveauté? Non. Marvin, non. J'ai pas écouté ce qui se fait. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup afro. Ah, excuse-nous. Je suis beaucoup afro. Du coup, j'ai pas eu l'occasion d'écouter les derniers projets des chanteurs de zouk. Donc, musicalement, t'écoutes quoi, à part du zouk? Beaucoup d'afro. D'accord. R&B, un peu à l'ancienne. Vraiment l'âge d'or du R&B, tu vois. Des trucs qui me parlent, des trucs sur lesquels je peux chanter, je peux faire des armos, parce qu'on continue toujours de bosser, hein, même quand... Tout à fait. Même quand on fait le fan, hein. Donc, Marcus, sur tous les titres, c'est quoi ton préféré? Le dernier. Et à chaque interview, ouais. Je vais te dire le dernier. D'accord. Et avant le dernier, c'était quoi? L'avant-dernier. D'accord. T'as pas un petit pincement, non? Bah, le dernier, j'aime bien parce que là, je travaille avec un nouveau beatmaker, T-Rex. Voilà, d'accord. Je fais une dédicace à lui. Je pense que c'est important aussi de donner le nom des beatmakers. Et Kaioken qui mixe, pareil. Je donne les noms parce que c'est important. Et je pense qu'on est arrivé à un stade. Vraiment un niveau supérieur où c'est vraiment du boulot, quoi, tu vois. Ouais, je dis pas que ceux d'avant, ils étaient moins bons, mais je me reconnais plus maintenant dans ça, quoi. D'accord. Donc, ton public, c'est de quel âge? Tout âge. Tout âge. Tout âge. D'accord. Pour toi, c'est quoi ton meilleur feat que t'as fait? Mon meilleur featuring? Ouais. Jonah. À part Jonah. Après, chez moi, j'ai fait un featuring avec Nicki Minaj, mais c'est jamais sorti. Hein? Oh, toi aussi. Je lui envoie des messages, elle répond pas. Bon, après, c'est... Hein, on connaît hein, les stars. Je te jure. Non, c'est mon meilleur featuring parce que l'expérience qui va avec, toute l'histoire qu'il y a autour. D'accord. Voilà, Jonah, je ne le connaissais pas avant. Et après ce featuring-là, c'est devenu un ami. Donc c'est vraiment toute l'histoire en plus du son qui va autour
C'est voilà. D'accord. Donc, ton meilleur clip, c'est quoi? Mon meilleur clip. T'as droit à un joker, mais pas trop non plus. Mon meilleur clip, ouais. Je pense que c'est. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve vraiment bien, je trouve vraiment abouti. D'accord. Tout le monde a fait le taf dedans. Même la modèle, elle a aussi fait le boulot, bah, qui, hein, que tu connais très bien. Ah oui, Emel. Voilà, Emel, big up à elle. Et je franchement, je trouve ce clip vraiment bien fait. Oui, oui, oui. Je trouve vraiment bien fait. Donc, est-ce que là, des surprises à venir avec des nouveaux feats ou pas? Feat, pour le moment, non. Non. EP? Non plus, je bosse sur d'autres sons, d'autres nouveautés. Voilà, je suis pas encore dans le délire album, EP, tout ça. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, je sors les singles un par un, et puis voilà, c'est tout cadeau. C'est cadeau. Donc, ça t'est déjà arrivé de refuser une soirée ou pas? Ouais. Pourquoi? Ouais. Pas carré. Si c'est passé, dis-moi tout. En fait, on m'a proposé une rémunération ridicule. D'accord. Limite, il aurait fallu me dire de venir gratuit en mode viens donner la force, quoi. D'accord. Mais le prix de la rémunération, c'était. Ouais, pour t'acheter un paquet de cigarettes, quoi. C'était. Faut pas le dire, en fait. D'accord. Faut pas le dire, quoi. Je trouve que c'est un manque de respect. Donc, tu préfères aider que. Ouais. Que me faire entuber. Exactement. Tout simplement. Je préfère venir gratuit, on parle bien, il y a un bon feeling, ok, vas-y, je viens. Bah, j'ai déjà fait des prestas gratuites. Tout à voilà, fait. Pour des assos, pour des trucs comme ça et tout, il n'y a pas de problème. Mais si tu m'invites en tant qu'artiste, c'est-à-dire que tu apprécies ce que je fais et tout, et tu veux me payer avec des clopinettes, ça sert à rien. C'est pas terrible. Et quelle est ta plus belle soirée? Ma plus belle soirée? Ouais. En tant que chanteur. En tant que chanteur. Même à refaire. Ta plus belle soirée. Et même à refaire. Tu parles sur scène? Sur scène. Parce que mes meilleures soirées en tant que chanteur, c'est au studio. Ah, toi aussi. Tu sais, quand tu crées, quand ah ouais, ça fait bien. Et tu réécoutes, non. C'est toi, oui, c'est... aussi, donc ouais, je prends tout. Musicalement parlant, on prend tout. Comme d'hab. Ouais, ça, c'est en studio, ouais. En studio. Donc... Avec toi, c'est facile de travailler ou pas? Ouais, ou très simple. Très simple. Après, faut être carré. Ouais. Faut être carré. Déjà, faut arriver à l'heure. Ouais. Non, ça, je pense que ça, c'est. Oui, mais tu peux me regarder. Moi aussi, j'arrive à l'heure. Donc, déjà, il faut arriver à l'heure. Je trouve que c'est. Voilà, pour le respect, ça, c'est un bon début. D'accord. Et puis voilà. Je pense que depuis le temps que je chante, j'ai une petite expérience vocalement, je parle. Hein. Mmh. Et même sur mes textes, sur mes placements, etc. Faut m'écouter un petit peu. Après, voilà, j'ai pas la science infuse, mais je pense que mes conseils, voilà, je sais un petit peu de quoi je parle. Voilà, faut m'écouter un petit peu. J'écoute aussi. D'accord. Faut m'écouter. Donc, ton meilleur souvenir, ton moins bon souvenir en studio, c'est quoi? Studio fermé, t'arrives. Le mec, il n'a pas la clé. J'ai fait des ça m'est arrivé quelques fois où t'arrives en studio. Et juste derrière, là, au niveau de l'ingé, t'as 40 000 personnes. Non, on fait quoi? Bah, en fait, t'as pas trop le choix. Ils sont tous là à dire, hey, tu devrais faire. Tu dis, mais t'es qui, toi? C'est gentil, viens le faire, toi. Et c'est chiant de ouf. Donc, on reprend rendez-vous. On fait une petite pause, on fait comment? On change de studio. Carrément. Ouais, j'ai fait une vidéo récemment, là, sur TikTok. Où j'expliquais justement l'argent qu'on peut perdre dans les studios qui font pas le boulot. Ouais. Pour X ou Y raison. Oui, ben oui. Voilà, où tu rentres chez toi, t'as pas le truc terminé, quoi. Tu vois, le truc qui va à la poubelle, quoi. Tu pars en enfer. Voilà. Dommage. Après, il y a plein de studios en région parisienne. Hein. C'est ça. Mais bon, c'est. Tu sais, quand tu vas à un studio depuis un petit moment, ça se passe bien, etc. T'as pas envie de changer à chaque fois. L'ingé doit capter ton délire. C'est un long processus. Et de voir à chaque fois le refaire, ça peut être. C'est chiant. Ça peut être chiant, quoi, tu vois. Faut être patient. Ouais, faut trouver, donc, trouver chez soi, quoi. Marcus, moi, ouais. je connais déjà la réponse. Pour les auditrices, c'est quel son qui t'a fait découvrir au public?
C'est le sel que je préfère. Ouais. Ouais. Tu t'as senti avec ça, t'as le succès? Pas du tout, en fait, j'avais fait ce son. Je l'avais posté, voilà, histoire de. Gentiment. Puis je l'avais oublié. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il tournait à La Réunion. Alors voilà, c'est. C'est juste ça. C'est pas mal. C'est bien. Ouais, ouais, il y a des gens qui m'envoyaient des snaps où ils étaient en boîte en train de danser sur le son. Je dis ah. C'est pas mal ça. Ouais, ouais. Donc tu chantes quoi sur scène? Quand tu vas sur scène, tu chantes quoi le plus? Généralement le dernier son, mais les gens aiment bien entendre le Pense à toi. Donc voilà, généralement je fais Pense à toi et puis je fais le dernier son. D'accord, d'accord. Donc nous on va écouter un petit son et on revient dans quelques instants, mais pas entièrement. Parce que sinon on va nous couper. Donc on revient dans quelques instants. Donc si je te dis ça tout de suite. Ça dit quelque chose? Ouais. Tu peux chanter dessus si tu veux. Marcus tap tap. Mama, I love you. Baby, love is for you. Mina, 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 mina. Sentiment la mina, mina. Girl, avec toi, je me sens si bien. Passer le temps juste entre tes mains, tes pieds. Déroute-la-moi, l'âme a besoin. My love, va comme bien. Nous, les gros sexy. Pas sexuel, sensuel. Ensemble, on y veut vivre tout. Non, mon corps, prime, c'est pas elle. Oui, elle. On va couper ça avant qu'on nous coupe, hein. On va couper ça avant qu'on nous coupe. C'était juste. Donc, ce son-là, on peut le retrouver où? Sur les plateformes légales. Ouais, légales, hein. Tu vas le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute. Oui. Voilà. Sur YouTube. Tu peux le retrouver sur Insta. Tu peux le Shazamer. Tu peux le retrouver sur TikTok si tu veux faire des. Si tu veux faire des vidéos avec, et le clip est sur YouTube. D'accord, donc prêt en combien de temps? Le son en combien de temps on l'a écrit? Ouais. Très vite fait. Bah déjà, bon, j'avais qu'une moitié de son à écrire, donc ça va un peu plus vite. D'accord. Jonas, je sais pas en combien de temps il a écrit celui-là, parce que c'est lui. Il a dit tiens, j'ai déjà un son. T'as plus qu'à chanter. Voilà. Et bah, très vite, en fait, je sais pas si t'écoutes les paroles, c'est très freestyle en fait. Ouais. Tu vois, je vais pas dire que je dis rien, mais c'est très freestyle quand même. C'est voilà, c'est j'étais dans mon home studio et puis le premier truc qui est sorti, allez, on reste sur ça et puis ça a dû me prendre une soirée. D'accord. Ouais. Donc toujours des filles. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, vaut mieux faire envie que pitié, comme on dit. Hein. Ouais. T'aimes bien ça. Ouais, ouais, bah c'est surtout vous les auditeurs qui aimez bien ça. Moi, je ne suis que le messager et le Père Noël, je fais des cadeaux. Ah d'accord. Voilà. Donc dans ce milieu de la musique, maintenant là, 2024, ouais. Tu vas nous sortir quoi? Pour les gens qui t'écoutent, pour faire plaisir à tes fans, tu vas nous sortir quoi? Un petit zouk, un petit gouillade, un petit trap? Je pense que ça sera un petit zouk façon un peu comme le j'ai entendu des rumeurs, tu sais, bien gras, bien, tu vois, que tu puisses aussi bien danser que chanter, voilà, que te poser, écouter, chiller dessus, etc. faire des enfants dessus, c'est ça que tu veux dire? Pour celui-là, il y a le zouk est couché juste avant et couché. Ouais, dans cet esprit là quoi. D'accord. Ouais. Donc, tous tes sons, on peut les retrouver vraiment tout du début jusqu'à maintenant. Ouais,
Oui. Tout est sur les plateformes et sur YouTube. Voilà. D'accord, d'accord. Donc on va s'écouter un petit. Tu veux écouter quoi? Je sais pas, mais il y a. Tu veux un petit Midi Custos? Vas-y. Vas-y, c'est parti. Hein. On fait plaisir à tout le monde. Hein. C'est parti, nous. On est là pour faire plaisir. Marcus Green. C'est la femme que j'aime. Et j'ose enfin te l'avouer. C'est la femme que j'aime. J'en suis sûr, je le sais, je le prouve, je le fais. C'est la femme que j'aime. Hey, 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 hey. C'est la femme que j'aime. Ciao, 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 ciao. Ce n'était pas gagné. Je n'étais pas en pole position. Y'avait trop de gars sous le panier, à l'affût de tous les rebonds. Fille, on veut la fille, on veut la fille. Fille, on veut la fille, on veut la fille. Aujourd'hui c'est moi ton foyer. Sous mon bras qu'elle s'endort. C'est la femme que j'aime. Et j'ose enfin te l'avouer. C'est la femme que j'aime. J'en suis sûr, je le sais. Mais oui, oui, oui. Aïe, aïe, tu connais déjà. Faut aller l'acheter. Faut aller l'acheter, faut aller l'acheter. Ouais. On va pas tout mettre. On va mettre le nouveau. C'est mieux. Ouais. Donc, c'est venu comment avec Mehdi? Le feat avec Mehdi, ça s'est passé comment? Alors, comment ça s'est passé? Il y a un ami à moi qui nous a mis en contact. D'accord. Simplement. Et après, on s'est appelé. On a sympathisé. J'ai créé la base du son. D'accord. Mehdi voulait écrire sa partie. Donc, pas de problème. Et puis, on s'est rejoint en studio. D'accord. Donc, en soirée, ça marche ou pas? Je sais pas. Vous n'avez pas fait encore? Je sais pas. Bah, en fait, comme au niveau des emplois du temps, on n'est pas. Synchro. Voilà, il a beaucoup de choses à faire. D'accord. Donc, c'est un petit peu compliqué de se voir pour le chanter sur scène. Donc, c'est quoi tes trois défauts? On va commencer. On était gentils. Juste à maintenant, on était gentils. Auditeur, auditrice. On va commencer à piquer les choses. Je crois que je suis têtu. Ça, on le savait. Ouais. Ouais, limite chiant. Quand j'ai une idée en tête jusqu'au bout. On se met pas en question? Si... Mais c'est toujours ton idée. Généralement, quand je bloque sur quelque chose, c'est pas c'est pour bloqué. Rien. Voilà. Quand j'aime pas quelque chose, je suis un bon commercial pour. Ah, d'accord. Tu vois? Oui, tu vends, quoi. Oh, voilà. Un troisième défaut. Un vrai défaut? Ah, bah oui, un vrai. On est entre nous, toi aussi. Je te comprends pas. Oh. Sinon, ça serait trop facile. Je cuisine bien. Et du coup, c'est un défaut. Parce que vu que je cuisine bien, bah, je mange bien. Mais c'est un défaut pour une tu qualité. Tu vois, c'est... Ouais. C'est entre les deux, ça. Et on passe au suivant. Tu sais quoi? De quoi? Qualité. Les qualités, où? Je pense que je... En tout cas, avec le temps, j'ai appris à vraiment prendre du recul, à me remettre en question. Comme tout le monde, je crois. Ouais, mais vraiment, pour de vrai, quoi. Tu vois? Limite, comme si je sortais de mon corps et que je me voyais en train de... Ouais. Tu vois, vraiment la grosse remise en question. Qualité... je sais me débrouiller seul, quand il le faut. Voilà, je suis pas un assisté. Et j'ai pas peur de me lancer dans des nouvelles choses. Voilà, par exemple, la création de la boîte, ça s'est fait sur un coup de tête, quoi. Carrément. Moi, ouais, je connaissais rien. Je suis lancé comme ça. Puis là, ça fait un an que ça dure. Et comme quoi, les coups de tête. Ça marche. Ou pas. Ouais, après, faut. Mais moi, je te souhaite que après, ça marche. Le tout, c'est d'assumer derrière, tu vois. C'est ça. Voilà.
Donc, Marcus, est-ce que tu as des scènes ce mois-ci, des prestats? Non. Là, on est encore dans les. Dans tout. On n'a pas encore fini les. On va dire les fêtes de fin d'année qui. Ouais. Voilà, donc on a encore pas mal invité chez la famille, etc. D'accord. Quand ils nous laisseront tranquilles, on pourra. On pourra faire des radios. Voilà, on pourra les chanter pour les gens. D'accord, donc. Tu te déplaces dans toute la France, musicalement parlant? Ouais, sur Paris. Let's go. Facile, voilà. Let's go. En dehors de Paris, faut. Si on me paye généreusement le trajet, je viens aussi. D'accord, comme ça c'est dit. Tous les autres ajouts, vous avez bien entendu. Voilà. Le défraiement. Ça s'appelle un défraiement d'essence. Voilà. Demain, on vous dit. Et pour toi, les radios web, t'en penses quoi? Bah, les. Je dis pas que les radios FM, c'est bientôt fini, mais c'est vrai que maintenant, on est dans l'ère d'Internet. Les gens sont plus devant leur smartphone que devant leur radio. FM, je parle. Après, voilà, il y a. C'est là depuis longtemps, les radios FM, donc ça tient toujours, mais c'est vrai que. J'ai plus de chances de tomber sur une radio web que sur une radio FM. Sachant que mon téléphone, il se connecte automatiquement à ma playlist Spotify quand j'allume la voiture. Donc, radio web, c'est très bien. Je pense qu'ils ont une longue vie devant eux. Et voilà, j'espère que ça prendra de plus en plus d'ampleur et qu'on continuera de m'inviter dessus. D'accord. Donc, est-ce que c'était déjà arrivé que ben on passe pas de mon son dans les radios, dans les soirées, un peu boycotté? Oui, non. Je trouve que on passe pas assez mes sons en général. Et pourquoi? Voilà, je sais pas. Et je pense que faut remédier à ça. D'accord. Voilà, je sais pas pour vous. Hein, je pose la question aux auditeurs. Est-ce que vous pensez? Regarde sur ton portable et tu leur demandes pourquoi justement. Est-ce que vous pensez que ma musique mérite de passer un peu partout? Voilà, c'est si vous pensez que oui, faites passer le message à ceux qui passent les sons. D'accord, comme ça c'est dit, c'est fait, c'est ça. Ouais, donc voilà, donc nous on va s'écouter une petite chanson que vous aimez bien tout de suite et après on va finir en beauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous mets ça. Je dois la connaître par cœur là. Ah ouais. Personne se demande, il pense que ce n'est pas la paix. C'est pour ça que tu t'arranges pour ne jamais montrer tes peines. Tu préfères les garder enfouis. Oh. Pense à toi avant tout. Vis ta vie, tu t'en fous. Laisse de côté tous ces faux amis. La confiance se gagne en grammes, se perd en kills. Pense à toi avant tout. Avant tout. Et personne se demande comment aïe, je aïe, règle aïe. Mes on va couper ça. Aïe aïe aïe. Donc c'est du vécu, pas vécu? Ouais. Ah wow. Là tu me réponds franchement. C'est, j'adore quand tu me réponds comme ça. Ouais. Donc Marcus t'écris plus des chansons par message, du vécu? Ça dépend. C'est un petit peu des deux. Des fois c'est juste un message pour les gens, parce que je pense que en tant que chanteur c'est important d'envoyer des messages aux gens. Moi je sais que la musique ça m'a beaucoup aidé dans ma vie en général, certains messages de certains chanteurs, voilà, ça, tu penses qu'ils racontent ce que tu vis, etc. C'est important. Donc voilà, je passe les messages et de temps en temps je passe mon message. D'accord, donc tu fais les deux. Voilà. Donc Marcus, est-ce que tu te vois encore longtemps dans ce beau métier?
Bah moi, de toute manière, t'aimes bien faire plaisir aux gens. Que ça marche ou pas, je continuerai à sortir des sons en fait. D'accord. Tout simplement, c'est la musique, c'est mon truc, je fais ça depuis toujours. Donc est-ce que c'est arrivé de vouloir arrêter ? Ça m'est arrivé de vouloir arrêter de sortir des sons comment dire, les propager, etc. Juste pour moi, quoi. D'accord. Mais j'arrêterai jamais de faire de la musique, quoi. Donc pour tes fans, avant tout. Et ouais, ouais, ouais. Bah en fait, à la base, je fais pour moi. Et si les fans aiment bien, bah ça tombe bien. Ouais. Donc t'en as quand même des fans, ouais, sur ton téléphone. Par exemple, si on veut une musique, on demande aux gens, par exemple, tout de suite là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent pour finir en beauté? On le fait ou pas, le jeu? Ah, ils veulent le dernier, hein. Eh ben, fais-moi voir ça. Ils veulent le moi, dernier. Je veux voir. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr qu'ils veulent le dernier. Hein. Tu vois? Si je te dis ça. C'est ça qu'ils veulent entendre? C'est ça qu'ils veulent entendre. Ah ben, faut qu'ils me disent aussi. C'est carrément ça qu'ils veulent entendre. Hein. Donc, on va la chanter à deux, auditeurs, auditrices. On peut même la chanter à mille, là, tous ceux qui sont derrière. Bon, on est parti? On vous remet ça tout de suite. Allez, Marcus, c'est à toi. Place mes lyrics, il paraît que c'est toi la queen de la navette. Place mes lyrics, c'est Marcus Green qui te choc. Place mes lyrics, il paraît que c'est toi la queen de la navette. Donc je t'ai dans le viseur. Paraît que c'est toi qui a les coquilles en tête. Non, tu ne l'as pas raté. Personne peut la rater. Tu ne l'as pas raté. Sur Radio Fanfan Musique. Personne peut la rater. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des non-dits, que tout le monde ne parle que de sa paraître et que cette fille fait fureur. C'est ce qu'on dit, que tous les regards sont posés sur toi. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des non-dits, que tout le monde ne parle que de ça. Il paraît que cette fille fait fureur. C'est ce qu'on dit, que tous les regards sont posés sur toi. Boulot. J'ai entendu des rumeurs. Et on dit, il paraît que cette fille fait fureur. Un déhanché d'un autre pays. Pour mettre la pression là, tu sais comment faire d'un autre pays. Tu fais tourner les têtes, tu sais comment. Place mes lyrics, ton sexe appuie qui fait tourner la tête. Place mes lyrics, et quand tu vois à toutes les autres qui s'inquiètent. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des non-dits, que tout le monde ne parle que de sa paraître et que cette fille fait fureur. C'est ce qu'on dit, que tous les regards sont posés sur toi. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des non-dits, que tout le monde ne parle que de ça. Il paraît que cette fille fait fureur. C'est ce qu'on dit, que tous les regards sont posés sur toi. Poulot. Tu ne l'as pas raté. Personne ne peut la rater. Tu ne l'as pas raté. Donc, c'est écrit pour qui ça? Pour non mais, dis-nous ça, on est ensemble là. Pour toutes les femmes qui le méritent. Les vraies femmes, c'est ou... une bonne réponse. Les vraies femmes ou les... Ouais. Ou l'ex? Non. Non. Non, non. Tu t'imagines, tu non, je te demande. T'écris une chanson aussi flatteuse pour une ex. Ça arrive. Non, je sais pas, c'est autre chose. D'accord. Donc c'est écrit en combien de temps? Une nuit. Une nuit, un jour. Ouais, une nuit, ouais. D'accord. Donc, bah je, en fait, niveau création, je peux faire que ça que la nuit. D'accord. Journée, il n'y a rien qui sort. Mmh. Donc, c'est la nuit, et puis vers 2-3 heures du matin. Ça sort. Voilà, c'est prêt. Donc, tu t'attends à quoi avec ce nouveau titre? Je? Tu t'attends à quoi? À ce qu'il tape partout.
à ce qui tape partout, en plus d'être un son zouk, c'est un petit peu urbain, comme ils disent. D'accord. Donc ça serait bien qu'il bifurque dans 2-3 radios. T'inquiète pas. Dites urbaines. On va t'aider pour faire ça. Hein, on va t'aider qu'on pour faire ça. Qu'on aille foutre le bordel de ce côté-là aussi. Ou là. Ouais. Bon, on va foutre le bordel. Allez. Donc allons. Là, ça commence sur Radio Fanfan Musique. Donc merci Radio Fanfan Musique. On va foutre le bordel autre part. Vous inquiétez pas. Musicalement parlant, on parle. Donc, le prochain son, on va réécouter ce son. Quand même, avant de partir. Ouais. Donc tu voudrais quoi? Attends, on va faire une petite... T'inquiète, Marcus. Donc, tu peux nous donner tes réseaux sociaux pour qu'on te suive aussi avant qu'on oublie, justement. Ouais. Marcus Green officiel un peu partout. D'accord. Tout simple. Et voilà, sur les plateformes, vous tapez Marcus Green. Sur YouTube, Marcus Green officiel. D'accord. Donc, voilà. D'accord. C'est gentil, c'est tout mignon. D'accord. Donc... Marcus Green officiel partout. Partout. Ok. Non, mais les gens, ils rentrent comme ça, même pas un bonjour. Dehors, s'il vous plaît. Non, mais déjà, on rentre pas comme ça chez les gens. Non, on a pas de bonjour. Au revoir. Non, au revoir. Ouais, on te jette. Donc, Marcus, bientôt. Donc, un nouveau son aussi. Il y a toujours un son qui sort bientôt. D'accord. Voilà. Donc, tu peux nous le faire en un cappella? Pas encore, non. Oh. Pas encore. Le gars, je l'invite, ça fait 10 ans. Pas encore. Bah, tu connais, tant que le son n'est pas terminé et qu'il n'est pas posé à la SACEM, on y va doucement. Donc, c'est qui cette jolie demoiselle? Comment? Dans le clip, c'est qui? Tu la connais d'où celle-là? Ah non, c'est Insta. Ah, tout d'accord. Simplement. T'es comme ça, toi? Tout simplement. À chaque clip, tu tout changes. Simplement, bah, ouais. je j'y vais au culot. Bah, des fois, c'est des gens que je connais. Des fois, c'est des gens qu'on me présente, bah, oui. comme Emel. Oui, Emel, c'est ma co-animatrice. Donc, vous inquiétez pas. À chaque fois, Emel, elle va revenir très, très bientôt. On va faire du sale aussi. Ouais, puis sinon, j'y vais au culot. Hein. Donc, non mais. Tu veux pas t'installer par hasard? Non mais écoute là. Non, pas de bisous, on est en direct, ça va pas la tête ou quoi? Donc on va écouter ça. Donc comme ça, mets ton portable. Tu nous fais un petit live dessus? Ouais. Tu nous chantes par dessus? C'est parti, avant qu'on nous coupe. Le dernier, Marcus Green, sur Radio Fanfan Musique. Écoute ça. Clash mes lyrics, paraît que c'est pas la queen de la fête. J'place mes lyrics, c'est Marcus Green qui te chop. J'place mes lyrics, paraît que c'est pas la queen de la fête. Donc j'étais dans le viseur, paraît que c'est toi qui as les coquilles en tête. Non, tu ne l'as pas raté. Personne peut la rater. Tu ne l'as pas raté. Personne peut la rater. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des non-dits, que tout le monde ne parle que de sa paraître et que cette fille fait fureur. C'est ce qu'on dit, que tous les regards sont posés sur toi. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des non-dits, que tout le monde ne parle que de sa paraître et que cette fille fait fureur. Que tous les regards sont posés sur toi. J'ai entendu des rumeurs. Des lundis. Il paraît que c'est une belle fureur. Un déhanché d'un autre pays. Pour mettre la pression là, tu sais pas où m'en faire d'un autre pays. Tu fais tourner les têtes, tu sais comment. Ton sexe à pile qui fait tourner la terre. Blast mes lyrics. Et quand tu vois, y'a toutes les autres qui s'inquiètent. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des indices, que tout le monde ne parle que de sa paraître et que cette fille fait fureur. C'est ce qu'on dit, que tous les regards sont posés sur toi. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des indices, que tout le monde
calmer avec ça, sinon on va nous couper et on va pas nous couper. Donc voilà. Donc je peux le prendre où ce petit son, ce nouveau son? Redis-moi où on peut le prendre. Il est sur toutes les plateformes. D'accord. D'écoute et de téléchargement. Le clip est sur YouTube. Mais si vous voulez, vous pouvez le shazamer. Vous pouvez faire des stories sur Insta avec. Il est dans la base de données, sur Facebook, sur TikTok aussi. Et voilà. D'accord. Donc, redonne-nous tous tes réseaux sociaux, s'il te plaît, avant qu'on parte, s'il te plaît. Marcus Green officiel, partout. D'accord. Partout. Donc, on s'écoute un petit son et nous, on revient. Ça va, vous ? Ça, c'est le son de la nuit, ça. Ton regard se plisse. On fera des enfants, quoi. Ralentisse. Ou s'entraîner à les faire. Que je la kisse. Je veux bien répondre à l'appel, même si je la connais à peine. Que ton cœur s'accomplisse. Succombe à la tentation, mais fais ça avec passion. Ce doux piège où je glisse. Et je sens qu'on va souffler. Pensez ça s'embrisse. Elle cherche de l'action, se sert de sa force d'attraction. Que je tombe plus vite, pour ne pas que j'hésite à franchir les limites. Mais je sens que dans son pied couché, ça se passera comme ça. Puis on commencera. Mes envies et mes vices, c'est en toi que je les glisse. Yeah. Et tu cherches à me détourner. Depuis 2 heures qu'on se connaît, je sais ce que Joanne Guéret à la prod. Ouais. Et je sens qu'on va. Ça se passera comme ça. Donc Marquis, vous êtes couché. Et le nouveau, tu préfères quoi? Pour le clip, tout ça, tu préfères quoi? Le travail. Entre les deux, c'est quel qui était plus dur à travailler? Juste les deux. Entre les deux, ouais. ça peut être très compliqué en fait. Hein, ouais. Enfin, c'est moi, c'est la nuit, quoi. Ouais, comme toujours. C'est la nuit, quoi. Comme toujours. Donc, Zuki, celui-là, là. Ouais. Écrit en combien de temps? Une journée? Pareil, la nuit. En fait, j'écris sur le moment. D'accord. J'écris en même temps que j'enregistre. C'est-à-dire, je vais improviser peut-être. Les deux premières lignes et ainsi de suite, tu vois, puis j'écris après. D'accord. Donc, nous, on s'écoute un dernier son, ton dernier ouais. son, avant de partir. Ouais. Donc, on l'écoute et on revient dans quelques instants. Ok. Je clash mes lyrics.
flash mes lyrics. Pareil que c'est toi la queen de la fête. J'flash, flash mes lyrics. C'est ma piscine de kit de chop, 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 chop. J'flash mes lyrics. Pareil que c'est toi la queen de la fête. Donc j'tire dans le viseur. Pareil que c'est toi qui a les coups qui en tête. Non, tu ne l'as pas raté. Personne peut la rater. Tu ne l'as pas raté. Personne peut la rater. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des indices. Que tout le monde ne parle que de sa paraître. Et que cette fille fait fureur. C'est ce qu'on dit. Que tous les regards sont posés sur toi. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des indices. Que tout le monde ne parle que de sa paraître. Des rumeurs. Il paraît que cette fille fait fureur. Un déhanché d'un autre pays, 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 pays. Pour mettre la pression là, tu sais comment faire. D'un autre pays, 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 pays. Tu fais tourner les têtes, tu sais comment faire. Ça pile qui fait tourner la tête. Blast, blast, bellyrix. Et quand tu vois, y'a toutes les autres qui se. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs, des indices. Que tout le monde ne parle que de sa paraître. Et que cette fille fait fureur. C'est ce qu'on dit. Que tous les regards sont posés sur toi. Tu sais que j'ai entendu des rumeurs. Eh oui, des rumeurs, des indices. Donc, ça c'était pour qui? J'ai dit, c'est pour toutes celles qui s'en sont dignes. D'accord, d'accord. Pour toutes celles qui le méritent. Ah d'accord, voilà. Carrément. Carrément, voilà. Carrément. Donc Marcus, nous on se retrouve bientôt. J'espère. Bah oui, très bientôt. Ouais. T'as déjà oublié? Le 27, t'as oublié? Non, j'ai pas oublié. Ah d'accord. Et dimanche prochain aussi, t'inquiète pas, donc on en parlera plus tard. Ouais. Donc voilà. Donc, ton mot de la fin, ce serait quoi Marcus? Moi déjà, je te remercie d'être venu. Merci à toi de m'inviter, c'est toujours un plaisir. De rien. On dirait aussi merci à Radio Fonfon Musique et à Fonfon Musique. Donc c'est grâce merci à lui Fonfon. Aussi. Voilà, grâce à Fonfon. Qu'est-ce qu'elle me fait cette télé là? Mais elle est pas bien aussi toi. Attends. Ouais, toi, à chaque fois il m'arrive des bricoles moi. À chaque fois c'est moi et Loan. C'est pas les autres, hein, c'est à chaque fois moi et Loan. Non mais, je te jure. Donc attends. Elle était où cette. Attends. J'attends. D'accord. Donc, Marcus, le mot de la fin. Ouais, ton mot de la fin. Bonne année, ouais. Bonne santé. La santé avant tout. Que tous vos projets se réalisent, c'est ça? Voilà, les réalisables. On espère. Même pas réalisables. Faut toujours être motivé. Tant que t'es motivé, tout est réussi. C'est ça? C'est ce qu'on dit? C'est ce qu'on dit, je crois. Je sais pas. C'est comme ça qu'il faut penser. Oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Donc, Marcus. À la prochaine. Merci d'être venu. Merci à toi. À la prochaine.